je suis vraiment super excitée et je crois que vous l'êtes aussi parce que je vous fais la vidéo qui m'est le plus demandée ever, soit qu'est-ce que je prends comme supplément. Depuis que j'ai posté ma petite photo que je vous mettrai ici de ma story avec mon petit pot de pilules de grand-papa avec toutes mes pilules, vitamines, suppléments que je prends là-dedans, vous m'avez toutes demandé qu'est-ce que je prenais et qu'est-ce que je prends aussi comme pré-workout, comme protéines, comme pendant mon workout, des BCAA, bref, pas mal tout. C'est aujourd'hui que je vous en parle. Là, je regarde ça puis on dirait vraiment que j'en ai comme vraiment beaucoup. Mais vous allez voir qu'il y a des trucs que je prends pas tous les jours, il y a des trucs que j'alterne. Au fur et à mesure de la vidéo, moi je vous conseille de juste noter sur un papier comme « Ah, ce produit-là m'interpelle quand même puis je pense que ça pourrait m'aider. » Mais marquez-le puis achetez au pire juste un produit ou deux produits ou peu importe qu'est-ce que vous en pensez. Fait voilà, sans plus tarder, on va commencer. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais mon copain a acheté une nouvelle plante pour ce condo. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment beau comme en background, ça rajoute un petit peu de verdure, un petit peu de vert et j'aime ça. Je commence tout le temps avec mes multivitamines de chez Centrum. Ils en font pour les hommes, pour les femmes, ils en font unisexe aussi, je pense. Pour les femmes, qu'est-ce qui est cool, je pense que ça travaille aussi sur comme la pousse des cheveux, des ongles et tout. Et moi, je prends les gummies parce que j'ai vraiment de la misère à avaler des pilules. Genre, c'est vraiment mental, ok? Là, vous allez voir, en plus, vous allez un petit peu rire parce que toutes les prochaines pilules que je vous montre sont tellement grosses. Pour vrai, ça me prend genre 5 minutes, un grand verre de gingembre au complet pour en avaler une parce que, comme, ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour moi. Une petite parenthèse, genre, auparavant, une Tylenol, je coupais ça en deux ou en trois pour pouvoir l'avaler. Maintenant, je vais mieux. Mon état s'est amélioré, donc je suis capable de l'avaler au complet, one shot. Mais ça me prend du temps. Mon deuxième produit que je prends, c'est mes fameux fat burners. Et ça, je reçois toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages par rapport à ça. Moi, je prends la compagnie ATP. Donc, moi, c'est les AD. Ça s'appelle les adipolytiques. Adipolytiques. Ça dit d'en prendre deux fois par jour, deux capsules à la fois. Moi, je trouve ça beaucoup juste parce qu'il y a beaucoup de caféine là-dedans. Et moi, la caféine, ça me fait vraiment genre trop d'énergie, genre je deviens vraiment boostée. Puis déjà que je prends du café le matin, je prends un pré-workout des fois en plus dans la journée, ça fait beaucoup de café. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je prends soit deux capsules le matin en me levant ou j'en prends une seulement puis une en après-midi. Qu'est-ce que ça va aider à faire? Ça, c'est que ça va vous aider à favoriser le métabolisme de les graisses. Donc toutes les graisses que vous allez ingérer, vous allez beaucoup mieux les digérer. Qu'est-ce qui est vraiment cool aussi, c'est que ceux-là sont vraiment faits de façon végétale, donc il n'y a pas plein de produits chimiques là-dedans, ce qui est quelque chose que je regarde souvent dans qu'est-ce que je vais ingérer. C'est souvent là pour essayer de faire une perte de masse graisseuse. Et là, je dois vous le dire et le mentionner, le préciser au cas où, mais c'est pas parce que vous allez prendre ça que vous allez perdre 10 livres. Le but, c'est que vous preniez ça, que vous amélioriez votre alimentation et que vous vous entraîniez aussi pour avoir des résultats qui sont plus optimales, des résultats qui sont là de façon plus rapide. Et il y a une autre chose que j'aime vraiment avec ça, c'est que souvent les femmes, en tout cas moi, des fois après avoir mangé, je me sentais genre ballonnée, je sentais que mon ventre était genre gonflé pour aucune raison. Puis j'ai vraiment vu une différence avec ça, pour vrai, je le suis vraiment moins. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que vu que la caféine, on dirait que j'ai comme un petit boost d'énergie aussi. En passant, tous les produits que j'ai mentionnés, je vais mettre les liens dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller les voir. Prochaine chose que je prends, c'est des vitamines. Donc, vitamine C, vitamine D. Ça, mon copain et moi, on en prend depuis seulement quelques temps. Vitamine C et vitamine D qui sont à croquer, donc un plus pour moi. Et en plus, ça goûte l'orange. Pour vrai, ça goûte tellement la vie. Ça me rappelle les boissons Sunny D. Je mettrai une photo ici, mais pour ceux qui viennent de ma génération, vous allez sûrement vous en rappeler, mais pour vrai, ça goûte la même chose. En gros, c'est juste bon pour le système immunitaire, surtout que moi, je suis souvent malade durant la saison hivernale, fait que ça m'aide vraiment à être moins malade, et la vitamine D, c'est aussi bon pour les os. Sinon, en alternance avec mes fat burners, comme là, je finis bientôt mon petit contenant, fait là, je vais changer à ça. C'est de la compagnie Believe Supplement, puis pour ceux qui ne savent pas, je suis rendue maintenant ambassadrice pour eux. Donc je vous le dis, je ne suis pas payée pour vous parler de ces produits-là, je les aime vraiment honnêtement beaucoup. Donc je voulais vous en parler, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est fait au Québec, puis moi j'aime vraiment ça, encourager les compagnies au Québec. Et ça se vend en ligne, on peut aussi le retrouver dans presque 350 magasins, je pense qu'on un peu partout sauf au Popeye. Mais si vous achetez en ligne, tous les produits que j'ai mentionnés qui viennent de Believe Supplement, j'ai un coupon rabais qui vous a 20% sur votre commande. Puis pour vrai, comme 20%, ça fait vraiment une bonne différence. Donc je vous suggère d'aller voir ça. Je mettrai le lien en barre d'informations. L'estrogène Balance. Donc c'est vraiment bon, premièrement, pour les filles qui ont des débalancements hormonaux. Moi, honnêtement, ça m'arrive souvent. J'ai fait un gros débalancement il y a quelques mois qui a fait en sorte que j'ai eu beaucoup d'acné. Je pense que ceux qui me suivaient, vous le savez. En fait, non, ça va faire un an. Mais bref, j'ai dû changer de pilule.
ridicule parce que, en tout cas, ça faisait juste vraiment plus. Mais en gros, ça, c'est vraiment fait pour réduire l'excès de gras. Ça l'aide à la cellulite et à ce qui paraît, j'ai pas vu de différence encore, mais ça l'aide avec les symptômes prémenstruels. Donc, si vous avez des maux de tête, des maux de ventre, un surplus de haine envers des gens, peu importe, ça devrait vous aider. Maintenant, on passe à ma partie préférée qui est tout ce qui est relié à mon entraînement. Donc, on va commencer avec mon pré-workout. Mon pré-workout, donc pré-pump de chez Believe. Présentement, j'ai la saveur limonade rose et oh my god, ça goûte l'esti de vie. Je m'excuse d'avoir sacré, mais pour vrai, c'est juste malade. Le pré-workout, c'est quelque chose que vous pouvez prendre avant votre entraînement. Pas nécessairement toujours. Moi, honnêtement, malheureusement, je pense que je me suis créé une addiction et j'en prends quand même souvent. Parce que je vois vraiment une différence quand j'en prends et quand j'en prends pas. Puis je me sens plus productive quand j'en ai dans mon corps. Fait que j'avoue que j'en prends vraiment souvent. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous donner, comme le nom le dit, un boost d'énergie. Et vous prenez ça environ 20 minutes avant de commencer votre entraînement. Puis vous allez voir, ça fait pas ça à tout le monde. Mais moi, par exemple, j'ai l'intérieur des mains qui vont me picoter. Dans le sens que j'ai vraiment le goût des gratter. Puis ça, c'est parce que le pré-workout comme fait un petit peu effet. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont un petit peu le visage qui picote, c'est rien qui fait mal, c'est rien de dramatisant, là. Ça part tout de suite quand vous commencez à vous entraîner. Mais c'est vraiment juste un boost d'énergie. Encore une fois, il y a beaucoup de caféine, donc ceux qui sont intolérants à la caféine, faites attention parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que je trouve vraiment que mes workouts sont meilleurs quand je prends ça parce que je sens que je peux toffer plus longtemps. J'ai plus d'énergie, je peux lever plus de poids, on dirait. Bref, je suis vraiment plus concentrée, je suis vraiment plus focus durant mon entraînement. Puis pour vrai, là, c'est magnifique, genre surtout le matin quand vous vous entraînez, là, ceux qui sont matinales puis qui peuvent seulement s'entraîner le matin. Puis des fois, on est comme à moitié endormi puis ça nous tente comme pas tant. Mais pour vrai, ça fait tellement une différence. Moi, le pre-workout, là, c'est genre... Le truc que je vais pas me passer dans tout ce que je vais parler, là, c'est vraiment mon pre-workout. Donc, allez voir ça. Puis en passant, il y a limonade rose, mais ceux qui aiment pas ça, il y a d'autres saveurs aussi. Ensuite, des BCAA. Donc, ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que je prends à chaque entraînement. Je vous dirais peut-être 2 à 3 fois semaine seulement. Ça fait plusieurs choses. Si vous avez vu ma story, vous savez sûrement, mais ça aide beaucoup à la réparation des muscles. Donc, vous allez être tellement moins raqué le lendemain quand vous prenez ça, c'est incroyable. Et donc c'est ça, vous buvez ça pendant votre entraînement, donc vous mettez un scoop dans un shake, puis vous remplissez d'eau au complet, puis vous buvez ça tout au long. Ça va vous garder hydraté, mais c'est ça, ça va être absorbé par vos muscles, et en plus, il y a un petit peu de protéines, ce qui est vraiment bien aussi. Et l'aspect le plus important, c'est vraiment le recovery de vos muscles, donc vos muscles vont mieux récupérer, vous allez être moins raqué. Finalement, mon plus gros courbement ever, genre il est aussi gros que ma tête, mais c'est les protéines, donc vous allez souvent voir ça, là, les gens qui vont s'entraîner, ils vont partir en ayant un shake de protéines dans leurs mains. Les protéines, encore une fois, c'est pas bon pour la réparation des muscles, vous allez être moins raqué. Vous allez être moins raqué, on dirait que j'ai vraiment le goût de manger de la raclette parce que j'arrête pas de dire ce mot-là. C'est ça. Un gros plus, c'est que moi, étant végétarienne, je suis toujours à la recherche de protéines. Donc, j'ai vraiment peur d'en manquer. Puis, qu'est-ce qui est bon, c'est que justement, dans une scoop, donc un shake, j'ai 27 grammes de protéines, ce qui est énorme. Pour vrai, ça aide vraiment beaucoup. Puis, qu'est-ce qui est fun, c'est que souvent, après ton workout, tu te sens un petit peu faible des fois, puis c'est quelque chose de super nutritif. Pour vrai, moi, quand je m'entraîne, je prends ça, puis ça me bourre pour au moins 2-3 heures, je vous dirais. Et... toute ma vie, j'ai pris des protéines qui étaient comme au chocolat. Puis en tout cas, ils font plein de saveurs, genre desserts qui sont vraiment, vraiment taste. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool avec Believe Supplements, c'est que souvent, quand t'achètes un peu de protéines, vu que c'est tellement gros, mais tu t'en vraiment vite, puis rendu là, t'as le goût d'avoir une autre saveur, ce qui est comme quand même poche. Mais eux, ils la vendent sans saveur, donc ce condiment-là ne goûte rien. Ils font ça parce que c'est la protéine que vous pourrez rajouter dans tout. Donc, ceux qui font des crêpes le matin, des gaufres, vous pourrez rajouter une scoop de protéines dans votre mélange juste pour avoir plus de nutriments. Bref, on peut vraiment le rajouter dans pas mal de tout, ce qui est vraiment le fun parce que ça goûte rien. Donc, même dans vos sauces pour les pâtes ou peu importe n'importe quoi, mais c'est vraiment cool. Puis pour moi, étant végétarienne, c'est vraiment un gros plus. Et pour que ça goûte quelque chose, par exemple, après ton workout, ben ils vendent tout plein de saveurs.
Donc, j'en ai trois. Il y en a plus que ça, vous irez voir. C'est toutes des saveurs que vous venez rajouter dans votre shake. Donc, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on stand pas. Vous pouvez faire une rotation. Moi, j'ai sundae au caramel, crème glacée à la vanille et j'ai cookies and cream. Je pense que j'ai tout mentionné. Je sais que j'ai été assez rapidement parce que je voulais juste vraiment tout vous les montrer. Mais encore une fois, je vous le répète, vous irez voir dans la barre d'informations. Cliquez sur le lien de Believe Supplement puis les liens des autres compagnies aussi. Vous allez avoir plus d'informations. Et pas peur de me poser des questions en commentaire aussi. Puis je vais vraiment prendre le temps de répondre à tous parce que c'est important. Et puis, ben, je suis là pour vous. C'est ça, là-dessus, je vais vous dire à bientôt. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram parce que je poste vraiment, 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 vraiment souvent là-dessus. À la prochaine! Bye!